Du crochet, je fais un peu que ça. Je dois choisir entre lire et faire du crochet et c'est les deux seuls trucs que j'ai envie de faire en ce moment, mais j'ai des cours, so that's fine. Je faisais du crochet en même temps ce matin, j'ai lu, enfin on est encore le matin techniquement, il est midi pile. Je lisais Hernani en même temps que je regardais une pièce ou une représentation et en même temps que je crochetais, j'étais un peu en mode. En ce moment je suis en train de faire un sac, je vais vraiment essayer de le terminer la semaine prochaine. Mais là je suis en train de terminer ma deuxième face. Mais j'aime trop. Il faut que j'aille faire à manger. Et du coup là vous voyez vraiment mes cheveux qui sont plus roux. Du coup j'ai fait une couleur quand même sur tous mes cheveux. Bon dimanche. Je vais aller faire à manger parce qu'il faut que je me détache de mon crochet. C'est vraiment trop obsessionnel le crochet. Une fois que tu t'y mets tu peux plus t'arrêter. Il fait beau donc je vais aller faire un petit tour dehors. Je vais aller marcher un peu et je pense que je vais aller me poser dans le parc. Si les bancs sont pas carrément trop mouillés, je vais certainement me poser dans le parc et lire. Tell you about all the books that I've read in the
outfit. Le truc c'est que je change d'esthétique tous les jours, tous les matins j'ai envie d'être un esthétique différent. Here is my outfit. C'était un pull à mon papy, friperie vintage, pull à la tante de ma grand-mère. Non, même pas un pull, c'est un collier. Chapeau, il pleut très fort dehors, chapeau fait de moi. Vous imaginez? Je suis en train de faire un sac mais il est pas fini mais ça ferait trop beau. Let's go, I'm late to the party. Je suis spontanément en train de faire du tri dans ma garde-robe. Je voulais faire des essayages, machin. Je me suis acheté un pull sur Vinted ce matin. Je sais que j'ai 4 pantalons là que je viens de réessayer dans lesquels je rentre plus et je ne veux plus garder de vêtements dans lesquels je ne rentre pas. J'ai 3 Levi's 501 même et un pantalon un peu skater comme ça. De toute façon, lui, je ne mettais plus parce que je mets pas de rouge en fait. Donc j'ai 4 pantalons qu'il faut que je mette sur Vinted. Et je vais regarder là parce que en fait là cette partie de mon armoire j'y vais jamais. Genre ça, en toute honnêteté je sais pas si je vais le mettre parce que cette couleur, je sais pas trop si c'est ma couleur, vous voyez. Anyway, je fais du tri, j'adore ça, je devrais le mettre plus. Bref, anyway, that's what I'm doing. Foot to sea, drowning oh so patiently. Sand people sit and wait anxiously. Oh
idole. Hi. Je struggle un peu en ce moment avec ma lecture. Pas que j'aime pas le livre, je suis en train de lire Strange Grace de Tessa Gratton. Si vous êtes là depuis l'année dernière, c'était Agathe qui me l'avait offert pour mon anniversaire et je le lis enfin. Je suis trop dans le mood en ce moment, automne, spooky machin. Mais je déteste les trucs qui font peur. Du coup je savais que c'était un livre que je voulais absolument garder pour cette année. C'est avec des sorcières dans une ville où il y a un pacte avec le diable. Quand j'ai commencé à lire, j'ai eu tellement tout de suite l'atmosphère qui m'a craché à la gueule. Genre j'ai eu tout de suite l'atmosphère du truc à me dire waouh c'est incroyable. Le truc c'est que je l'ai commencé lundi dernier, donc ça fait plus d'une semaine et demie maintenant. Ouais, ça fait une semaine et demie, on est mercredi. Il fait 390 pages, je crois. Et genre, ça se lit hyper rapidement. À chaque fois que je le lis, je me dis waouh, j'ai l'impression de lire vraiment hyper vite. Mais quand même, ça fait une semaine et demie, je suis qu'à la page 250. Il y a deux jours dans la semaine, le lundi et le mardi, où en fait je lis pas parce que j'ai énormément cours et quand je rentre le soir, je suis vraiment épuisée. Donc, genre, je m'endors à 21h. En fait, je struggle. Enfin, j'arrive pas à vraiment me mettre à lire. Je sais pas, je rencontre une résistance au moment où je vais me mettre à lire. Là, ces derniers jours, j'avais vraiment du temps pour aller lire. Il y a mon chat qui rentre, qui ouvre la porte. Intrusion. Mon pote entre du cul à la caméra. Aucune pudeur. Je rencontre un peu une résistance de mettre à lire. Et à chaque fois où je veux mettre à lire, en fait, je suis sur mon portable et je reste sur mon portable pendant des heures à genre juste rien faire. Et normalement, j'ai un peu ce recul de me dire non, mais là, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, genre, je prends mon portable et j'arrête. Mais c'est que si je me mets à lire vraiment une page, tout de suite après, j'ai juste envie de retourner sur mon portable. Et je pense que c'est parce que j'ai besoin de faire des trucs qui prennent pas trop de place dans mon cerveau. C'est même pas que j'aime pas ma lecture parce qu'en soi, j'aime bien ce que je lis. Arrête de me traiter entre du cul à la caméra. C'est juste que j'arrive vraiment pas à m'y mettre. Là, vous voyez, il est 21h, je viens de passer une demi-heure sur mon téléphone. Je pourrais être en train de lire, mais je vous parle. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets des playlists un peu witchy sur mon téléphone. Il y en a une que j'aime trop de Amelia. Vous voyez, je suis en train de regarder une vidéo YouTube. Bref, je vais mettre ça, comme ça je peux pas être sur mon téléphone. Et je vais me filmer en train de lire. C'est pour dire que je sais que je suis pas la seule dans cette situation. Que si vous êtes aussi dans cette situation, vous rencontrez un peu une résistance mentale à vous mettre à lire. C'est normal. C'est juste que c'est frustrant quand on aime le livre qu'on est en train de lire, quoi. Aujourd'hui ma to-do list est assez conséquente parce que j'ai pas cours. Il est déjà 10h30 et j'ai absolument rien fait. C'est pas vrai, j'ai lu 10 pages. Il faut que je regarde un TD, le seul TD, un truc un peu accompagnement à la réussite professionnelle. Du gros bullshit, c'est le seul truc que j'ai en distanciel, mais il faut que je regarde ça et à la limite que je le fasse s'il y a un truc à faire aujourd'hui. J'ai un article à écrire en histoire de la presse et de médias que je le finalise, comme ça ce sera terminé, c'est à rendre pour le 9 novembre, mais comme ça ce sera fait. Faut que j'arrose mes plantes, tous les jeudis c'est le jour d'arrosage de plantes, je sais pas si elles vont bien. Le truc c'est que j'ai une plante depuis plus d'un an et demi, je pense qu'elle a une maladie parce qu'elle a beaucoup de parties à chaque fois sur les feuilles qui deviennent marron que je suis obligée de couper, mais d'un autre côté elle continue à faire pousser de nouvelles feuilles. Si elle arrive à faire pousser des bébés, c'est bien
qu'elle est en bon état. Donc je sais pas quelle est sa maladie. Je continue à l'arroser, j'essaye de faire ce qu'il faut. Et j'en ai une nouvelle qui, elle, va bien. Je voudrais aller courir, donc je vais aller courir là dans une demi-heure. Comme ça fera 2 heures que j'ai mangé mon petit déjeuner. Il faut que je mette les jeans que je vous ai montrés plus tôt dans ce vlog sur Vinted. Parce que j'ai craqué mon slip hier. J'en ai acheté pour 60€ sur Vinted. J'avais 30€, donc en soi ça va. Mais j'ai acheté genre 6 trucs là. Je suis en attente de 6 trucs sur Vinted. Et hier j'ai reçu une jupe que j'avais achetée avec mes sous de Vinted. Donc je l'avais pas vraiment payée. Mais elle est trop grande, donc il va falloir que je la cousse un peu. Bref, faut que je mette des vêtements sur Vinted. Faut que je fasse un dossier. Là j'ai essayé de regarder, mais ce qu'il y a c'est que avec les filles on s'est pas trop mis d'accord sur la façon de le faire et tout. Faut que j'exporte le footage de ce vlog-ci. J'ai mis filmer une vidéo point d'interrogation parce que maybe je voudrais filmer, mais je sais pas si je vais le faire. Et je voudrais terminer enfin Strange Grace parce que j'ai la journée de libre et je voudrais enfin me mettre à le finir. Il me reste 100 pages là, la page 287. Ouais, je voudrais terminer ça aujourd'hui. Je pense que c'est largement faisable si j'arrive à me mettre à lire. C'est ma to-do list de trucs à faire aujourd'hui. C'est plein de petites tâches qu'il faut que je fasse. Donc en soi c'est largement faisable, c'est ce qu'il y en a beaucoup. En fait comme c'est des trucs qui prennent pas longtemps, j'arrive pas à me dire ça je le ferai plus tard et à la fin de la journée j'aurai rien fait. Voilà. On va faire cette journée productive. Let's spend a productive day together. Yeah. Déjà là je vais faire mon lit. J'étais de si mauvaise humeur ce matin, c'était terrible. En ce moment je suis en train de réécouter l'album de Dominique Fike. C'est un album que j'écoutais énormément quand j'étais en première et qui est tout de suite devenu mon album préféré tous les temps. Genre vraiment je l'écoute H24, enfin je l'écoutais H24. Genre début première j'écoutais vraiment que ça. Et Dominique Fike est très vite devenu l'un de mes artistes préférés. Son premier album reste le meilleur album de tous les temps quoi. En ce moment je suis en train de le réécouter. Je l'écoute de temps en temps quand je sais vraiment pas quoi écouter comme Rex Orange County. Je sais pas, moi ça me fait des périodes comme ça où juste je trouve pas de musique qui me plaît. Du coup j'ai remis l'album de Dominique Fike. J'écoute que ça, genre ça me fait trop du bien. Je pense que c'est vraiment le meilleur album, enfin genre mon préféré en tout cas, il est sur mon mur, genre bref. Et sinon aussi j'ai découvert Lil Nas X. Je sais pas pourquoi personne m'avait prévenu que Lil Nas X était trop bien. Je connaissais bien évidemment Call Me By Your Name, enfin Montero, je l'écoutais pas vraiment, je la connaissais parce qu'elle est connue. Je sais pas, j'étais dans un mood de rap américain un peu, c'est pas vraiment du rap américain, c'est du rap américain pop j'ai envie de dire. Et j'ai mis son album pendant que j'étais en train de courir et je l'ai trouvé incroyable, il est trop bien cet album. Du coup j'écoute que ça en ce moment. J'ai envie de dire que ma préférée c'est Void parce qu'elle est vraiment ouf. Ouais, je pense que ma préférée c'est Void. Je sais pas si je devrais faire un classement, mais j'aime énormément aussi That's What I Want parce que tu peux genre regarder danser dessus quoi, c'est cool. Je les aime trop en fait, genre Dead Right Now, elle est incroyable. Life After Salem, ah je les aime trop en fait, elles sont vraiment toutes trop bien. Bref, je suis de mauvaise humeur. Non, je vais aller manger. Donc en fait quand tu vas sur Instagram tu fais ça genre en même temps.
sais pas si j'avais dit dans ce vlog, mais je suis en train de lire Strange Grace. Il me reste 70 pages. J'aime beaucoup ce livre, du moins je l'aimais beaucoup quand j'ai commencé, mais je l'ai commencé il y a une semaine et demie. Là je voulais le terminer aujourd'hui, je voulais un peu me mettre le challenge de le terminer aujourd'hui. Franchement ça me fait chier et genre j'essaye de m'y mettre, j'ai lu genre 50 pages et genre j'y arrive pas vraiment, ça m'énerve. Je me dis que là de lire ça m'apporte rien, je suis vraiment complètement désintéressée de l'histoire. Encore une fois, pas du tout par rapport à l'histoire, parce que je trouve que l'atmosphère est vraiment tellement bien, genre c'est hyper atmosphérique et j'adore ce côté. Je pense complètement à autre chose, j'ai la tête complètement ailleurs. J'ai pas envie d'avoir ce poids d'avoir un livre qu'il faut absolument que je termine dans le but de le terminer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement pas le terminer. J'ai pas envie de le mettre en pause parce que je pense pas que je vais retourner vers lui tout de suite. Je pense que je vais juste le DNF, mais en fait j'ai pas vraiment envie d'utiliser le terme DNF. Parce qu'en soit il me reste quand même que 70 pages. Lui je l'aime bien, c'est juste que là en ce moment c'est pas possible. Je pense le relire à un moment. Pendant ce week-end je vais pas lire, je vais essayer de terminer mon crochet et si je lis ce sera qu'en audiobook. Je m'autorisais pas à le DNF parce que je me disais que j'aimais bien et que du coup j'avais envie de vous le recommander dans plusieurs vidéos. Et je m'autorisais pas à DNF parce que je me disais mais si je le DNF ça veut dire que je pourrais pas le recommander genre et dire oui ce livre est trop bien parce qu'en soi je l'ai pas fini. Je pense qu'il faut un peu désacraliser ce truc de se forcer à terminer un livre quand on n'y arrive pas. J'ai juste envie de porter ce message là et je me dis si je le fais pas moi-même je peux pas porter ce message donc voilà. Je vais quand même vous le recommander parce que je pense qu'il est vraiment bien et qui peut vraiment beaucoup plaire à plein de gens et que genre l'atmosphère est vraiment nickel. Genre j'ai l'impression de juste mon cerveau il bloque de ouf. Puis j'ai beaucoup trop de trucs qui se passent dans ma tête. The street beneath my feet is paved with rows of gold.